Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing. Et cette fois-ci, on va enfin faire le unboxing de la Nintendo Switch. Ça y est, je l'ai enfin reçu. Enfin reçu. Sorti officiellement le 3 mars, moi je l'ai reçu le 4. Hein. Bon, le lendemain. Bon, c'est pas très grave. Merci à Amazon de me l'avoir quand même livré dans les temps. Donc voici la fameuse console qui possède un packaging, mes enfants, de... Ah, magnifique. Il est magnifique, ce paquet. Franchement, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Et il est balèze, oui et non. Hein. Il ressemble un petit peu au packaging qu'on avait de la 3DS, la première 3DS, qui était quand même assez un gros packaging. Là, bah, c'est à peu près la même chose, en tout cas, dans son style, est vraiment superbe. Alors, la boîte, comment elle se présente-t-elle? Alors, bien sûr, l'avant, hein, forcément, la Switch. Voici avec son dock, les Joy-Con, le support, tout ça. Sur le côté, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de magnifiques images sur le côté. Hein. Donc toujours pareil, la Switch, voilà, comment on la met dans son dock, comment elle est un petit peu avec les supports. Voilà, la Switch avec les Joy-Con avec les Joy-Con seuls. Et quand on joue avec des amis, hein, en gros, voilà, c'est un peu pour montrer tout ça. À l'arrière, pareil, vous avez une grosse image. Hein. Une grosse image de la Switch avec les Joy-Con plus ou moins enlevés hein, pour vous montrer qu'on peut les enlever, les mettre, bref, voilà, c'est un peu le principe de base. Sur le côté ici, on a le contenu du pack. Donc vous avez forcément la Switch, les Joy-Con, le câble d'alimentation, le dock, le support pour Joy-Con, qui faut fuse de manette, les dragons et le câble HDMI. Et ici, en fait, vous avez le résumé de ce packaging, voilà. Mais en résumé, en toutes les langues de l'Union Européenne, Russe, etc., etc. Voilà, le dessus, bien sûr, le logo Nintendo. Et à l'arrière, toutes les informations nécessaires pour les parents et les enfants. Ne pas jouer trop longtemps, bref, te faire attention. Voilà, nous, on va commencer. Donc, on va déballer tout ça. C'est parti. Et on commence par une ouverture qui est classe. Et là, j'ai envie de dire, waouh, franchement, waouh. Vraiment, le packaging est vraiment classe. Et là, vous avez un petit, je vais pas dire un petit résumé, mais une espèce de mode d'emploi rapide. En fait, en gros, voilà, vous branchez votre console, vous mettez les Joy-Con et ça fonctionne hein, normalement. Et après, bon, il faut paramétrer, mais en gros, ça marche direct. Ici, vous avez, en fait, pour vous expliquer, vous avez un petit bouton qui vous permet en fait d'enlever les Joy-Con et de les déplacer, voilà, qui sert en fait de sécurité. Pour les détacher surtout, et là c'est pour bah voilà, appuyer pour allumer tout simplement. Voilà, rien d'autre à dire. Donc nous, on va s'occuper du premier étage. Donc on va enlever la Switch, qui est l'élément le plus important de la console. Donc la voici, elle pèse quand même son poids hein, mine de rien, mais bon, on verra un petit peu plus tard en dernier. Je vais la poser ici. En attendant, je vais aussi enlever les Joy-Con. Donc moi, j'ai pris le pack forcément avec les Joy-Con de couleur. Donc là, c'est le rouge néon et vous avez le bleu néon, voilà, pour les Joy-Con. Mais pareil, on les verra un petit peu après. Je vais les poser là en attendant. Je vais enlever le premier étage que je vais poser ici et voir un peu le reste du contenu de la box, de la boîte si vous préférez. Alors ici, information importante, donc c'est même pas un mode d'emploi en fait, hein. Ouais, c'est certainement pour les garanties, truc de base, bon, pas un truc intéressant. Mais Nintendo au moins a fait un effort, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu moins de documentation parce qu'à une époque, il y en avait beaucoup. Donc ça c'est pareil, je vais le mettre ici, rien d'autre à voir. Bon, on va commencer par le câblage, voilà. Donc, allez, je vous déballe le tout. Donc le HDMI, voilà, HDMI. Qui me semble un tout petit peu plus grand que par rapport à la Wii U, qui est certainement un câble HDMI de 1,5 m à peu près. Voilà. Bon, c'est vraiment le minimum, mais au moins voilà, c'est fourni, c'est de base. Pourquoi pas? Et cette fois-ci, c'est pas gris, mais noir. Donc ça, on va le poser, hein, on va pas s'attarder sur les câbles. Pareil, ici, on a... Alors, c'est l'alimentation. Je vais déballer tout ça. Mettre les papiers ici, et voici notre câble d'alimentation, voilà, qui lui est bel et bien fourni comme dit Nintendo. Et voilà, alors c'est vraiment pratique, ouais, on peut le transporter, je pense, oui.
C'est moins gros que ce qu'on avait sur la Wii U. Sur la Wii U, on avait un gros bloc. Là, cette fois-ci, il est beaucoup plus petit. Bon, il reste quand même mastoc par rapport à la 3DS, mais au moins, voilà, il est fourni. Et donc, voici. Alors, ça, normalement, c'est un micro USB de type C, voilà, qui servira bien sûr pour recharger directement la Switch ou alors le dock. Voilà, et c'est un micro de USB de type C. Donc si vous avez des micros USB de type C chez vous, bah, vous pouvez aussi vous en servir. Voilà. Format international. Bon, moi c'est bien, on n'a pas un format propriétaire Nintendo comme nous le faisait à l'habitude. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons les, les fameux Dragon. Voilà, donc je vais vous les déballer. On pose le petit papier. Voilà. Les Dragon qui sont fournis, hein. Les deux sont fournis. Alors elles ne sont pas de couleur, elles sont juste vraiment de base. Voilà, donc tout simplement hein, les Dragon. Voilà. Pareil, on verra peut-être un peu après. Je ferai un petit essai pour voir. La deuxième Dragon qui est fournie. Bon, ça, moi, c'est fourni, c'est très bien parce que moi j'avais peur que les Dragon ne soient pas fournis, qu'il fallait les acheter en option. Et en fait, non, elles sont fournies de base. Donc, ça, c'est très bien. Bon, après, libre à vous d'en racheter éventuellement en bleu ou en rouge hein, si vous voulez les changer. Mais au moins, de base, c'est fourni. Ensuite. Donc ça, ça doit être le support pour le Joy-Con. Voilà, ça on l'enlève. Voici le support pour Joy-Con. Voilà, qui est pas mal. Bon, qui est basique. Alors, il faut savoir que ce support Joy-Con, vous en avez un autre qui lui, par contre, est vendu en accessoire. Donc il faudra que vous l'achetez, qui se recharge. Donc ça veut dire que si vos Joy-Con sont déchargés, bah, vous pouvez les mettre et brancher le câble en fait et jouer tout en laissant brancher si vous avez besoin. Ce n'est pas fourni de base, ça c'est pas très très bien, mais bon, l'essentiel est là, on va pas trop se plaindre. Donc je vais le poser ici et maintenant on va s'attaquer au gros volume, c'est à dire le dock. Alors pareil, je vais le déballer. Ça je l'enlève, ça je vais l'enlever aussi, et voilà. Je vais d'ailleurs le poser tout de suite. Car mon bureau est déjà plein. Donc voilà. Le fameux dock. Alors, je vais le poser. Je vais enlever la boîte. Hein. Sur la boîte, elle est vide. Il n'y a plus rien. Vous pouvez voir. Hop, vraiment plus rien. Comme ça, je l'enlève. Quand on aura plus de place pour le reste. Donc voici notre fameux dock. Mettez le dragon là. Voilà notre fameux dock. Dock avec le logo de la Switch. Ici, et bien sûr la partie fente hein, où va se glisser la console, la Switch. Alors sur le côté ici, vous avez une petite LED verte qui s'allume. C'est quand vous posez en fait votre Switch, donc ça doit la recharger en même temps et ça permet de, bah, de la connecter à la télé puisque vous avez un petit logo de la télé ici. Quand vous voulez jouer, en tout cas sur votre écran. De moins. Deux ports USB, donc forcément ces deux ports USB, bah, s'ils doivent servir à quelque chose, ils devraient surtout servir à recharger, par exemple si vous avez le Switch Controller Pro, voilà, ou alors tout simplement pour recharger les Joy-Con avec le support, voilà, que vous êtes en train de jouer, que vous avez besoin de recharger, bah, vous pouvez les brancher certainement là-dessus. Enfin, je pense, hein, je ne fais qu'une supposition. Alors à l'arrière, normalement, ça s'ouvre. Et ici, alors je vais essayer de bien mettre pour que vous voyez bien. Ici, vous avez la HDMI qui se branche ici. Ici, vous avez un autre port USB. Alors, ce port USB, je pense qu'il sert surtout si vous achetez un accessoire qui, lui, par contre, sera vendu hein, séparément, qui permet en fait de brancher en USB un petit adaptateur pour mettre une prise RJ45. Ça vous permettrait d'avoir en fait la connexion internet par câble. Alors, il faut savoir que bien sûr, la Switch capte le Wi-Fi, mais si vous voulez avoir par exemple le internet par câble, il faudrait que vous achetiez cet accessoire et il se branchera en fait ici. Et vous pourrez ensuite brancher votre prise RJ45. Voilà. Une espèce d'adaptateur. Hein. Bien sûr, il sera vendu en accessoire. Et j'ai oublié l'alimentation ici, qui se branche ici. Donc le port d'alimentation. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Ça se referme le tout. Ici, vous avez une petite fente qui permet de faire passer les câbles. Comme ça fait plus propre. Et voilà. Et je mets les croises de doigts de partout. Mais ça s'efface. Très bien. Donc voilà pour le dock qui est pas très grand, franchement ça ira très très bien. Voilà, on va le poser ici. Et nous on va s'attarder aux manettes Joy-Con. Donc je vais les déballer. Voilà. Le petit papier pareil. Ça je le libère.
Enfin, pareil pour l'autre. Et on va découvrir un petit peu ces manettes. Et surtout les prendre en main. Et la prise en main est quand même pas mal. Ouais, franchement, j'ai pas eu l'occasion de les tester pour voir. Mais c'est vrai que ouais, ça fait assez bizarre. Ça fait assez bizarre. Alors, sur celle-ci, bah, vous avez le stick analogique, un petit bouton. D'ailleurs, c'est un bouton ça. Ouais, apparemment, c'est un bouton. Donc, stick analogique. Ici, pareil, des petits boutons qui font office de croix multidirectionnelle en fait. Hein, je sais pas si vous verrez bien. Là, il y a aussi un espèce de bouton. Je sais pas trop à quoi il sert. Peut-être pour le NFC. Parce que c'est vrai que le NFC est intégré dans les Joy-Con. Ici, vous avez une petite gâchette SL-SR. Et ici, les gâchettes LZL. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà. Et pareil pour le Joy-Con rouge, en fait. Alors, le stick, lui, est un peu plus... Il est plus centré, on va dire. Là, vous avez le bouton... Vous avez le bouton Home, ici. Les boutons X, A, B, Y. Le plus, voilà. Et la gâchette R et ZR. Et là, c'est ZL et Z... Et SR, pardon. Voilà. Donc, prise en main. C'est assez particulier. Je pense pas que je jouerai dans ce mode-là, particulièrement. Donc, je vais prendre une Dragon et je vais faire un test. Alors, la Dragon, pour l'installer, faut déverrouiller ici. Voilà. Et hop. Vous pouvez installer. Et vous avez même un petit plus pour vous aider en indication. Donc, voilà. Notre fameuse manette. Alors. Hop, on la met. Hop. Elle est fixée, donc je referme. Et là, si je regarde la prise en main, c'est plutôt pas mal en fait. La prise en main est plutôt bonne, si on regarde bien. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Disons-le, hein. Franchement, ça a grandi un petit peu. Mais je pense pas que je jouerai dans ce mode-là en fait. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez mettre votre Dragon et la prendre en main de cette manière. Voilà. Donc, c'est sympa. Mais je préfère les mettre avec la Switch. Donc, je pense que je jouerai plutôt dans ce mode-là. Donc, on va la libérer. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça en off parce que, comme j'ai la caméra qui est devant, voilà, et je les ai retirés. Ouais, il faut appuyer sur le bouton aussi là, hop, et ça tire. Et bien, passer à verrouiller. Hop, déverrouiller. Mais nous, on va s'occuper maintenant de notre console, ici, la Switch, qui est quand même le plus important, je vais le préciser. Donc, on déballe tout ça. Voilà. Et voilà, la fameuse Switch. La fameuse Switch. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre les Joy-Con. Hop. Voilà. Et voilà, c'est installé. Et là, que dire de plus ? Bah, la prise en main est bonne. Ouais. Ouais, franchement, non, ça le fait. Hein. Ça le fait. L'écran aussi est très sympathique. Coucou. Non, vraiment, ça marche très très bien. Vraiment, bonne prise en main. Pas mal. Alors, si on fait un petit peu le tour de la console, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, la prise, hein, tout simplement, USB type C pour la recharge. Voilà. Dans le dock ou dans la prise directe. Le dessus, nous avons le bouton power pour l'allumage, les boutons volume, hein, moins plus, ici. Là, on a une sorte de grille d'aération, une prise jack 3.5, et là, c'est le support pour mettre les cartouches de jeu. Voilà. Les cartouches de jeu. Et derrière, on a pas grand-chose, hein, on n'a pas de stylet. Hein. Faut savoir que les stylets 3DS, Wii U, tout ça, ne sont pas compatibles, il me semble, sur l'écran. Je tiens quand même à le préciser. Ah oui, là on a le petit support pour poser votre Switch et ici la fente pour mettre la carte micro SD. Alors, il faut savoir que Nintendo avait précisé que pour les cartes micro SD, il ferait des cartes micro SD de 1 Tera et 2 Tera. Je pense que ça risque de faire un tout petit peu cher. Donc le mieux en fait, ça serait de prendre des cartes micro SD, je dirais au minimum de 32 Go, 64 Go, voire 128 Go. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moins les prix sont accessibles. La 128 Go, on peut la trouver dans une cinquantaine d'euros, du moins sur Amazon. Après, j'ai pas vu dans le commerce. Voire 256 Go pour ceux qui ont un peu plus les moyens, mais là déjà, ça commence à être un peu plus cher. 256 Go, j'ai vu, on en a un peu plus pour 100 euros. Hein. Donc,
C'est pour ça que je vous dis 32, 64, voire 128 Go, ça reste, on va dire, des prix raisonnables. Après, si vous pouvez mettre plus, c'est à vous de voir. Mais moi, c'est ce que je vous conseillerais. Alors, il faut savoir que la console embarque 32 Go de mémoire interne. Donc 32 Go de mémoire, on va dire, en micro SD. Bah, ça peut vous faire un petit complément en plus. Et ça vous fait une console à peu près avec 64 Go en tout. Ah, sachant que vous n'avez pas vraiment 32 Go, il y a beaucoup moins. Et pareil dans les micro SD. Mais bon, ça fera toujours un petit stockage supplémentaire. Voilà. Voilà pour cette console. Vraiment qui est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Et si je la pose dans mon dock, voilà. On va essayer d'y aller doucement parce que j'ai pas envie de griller l'écran. Normalement, et ça rentre. Voilà. Et là, ma console, elle est posée et ça fonctionne. Voilà. Et pour enlever les Joy-Con, hop, on appuie et ça s'enlève et ça marche tout seul. Voilà. Bah, finalement, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Voilà. Pour la console. Bon, bah, moi, de toute façon, il ne me manque plus qu'à. Une idée, je vais remettre là-dedans. Je pense que je vais surtout jouer dans ce mode-là. Moi. Et puis peut-être que j'achèterai la Switch Pro Controller. Oui, il faut savoir que les accessoires Wii U ne sont pas compatibles. Donc il faudra de toute façon des accessoires purement Switch. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. On va faire la présentation qui est bien, comme ça, ça fait la classe. Je vais même vous mettre les Tilt Dragon. Voilà. Et là, vous avez l'accessoire complet. En tout cas, vraiment très beau produit. Hâte d'y jouer. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte d'y tester. Bon, bien sûr, il faut que tout que je paramètre avant pour voir si ça fonctionne et voir que dire de plus. Alors peut-être pour le online qui pour l'instant est gratuit, il sera payant qu'à l'automne, donc il coûtera dans les 25 euros, enfin 30 euros maximum. Ça reste assez honnête pour du online, en tout cas pour le prix d'un online, d'un abonnement à l'année, en espérant que si le online est payant, que cette fois-ci les serveurs tiennent la route et qu'il n'y ait pas de déco comme sur Wii U. C'est au moins ce qu'on espère. Donc pour l'instant, on va dire qu'il est gratuit, le online de la Switch, parce qu'il va surtout servir de bêta test, hein. On va pas se le cacher, pour les premiers acheteurs, on va vraiment être des testeurs en fait sur ce mode online, donc en espérant que ça marche. Voilà, si je peux vous dire un petit mot. Après, bah, peut-être que je vous ferai un petit rendu sur le menu de la Switch pour vous montrer éventuellement si j'arrive à la capturer, on verra. Mais bon, on verra bien. Alors, bien sûr, j'ai pris aussi un petit jeu qui va avec. Il s'agit du Zelda Breath of the Wild. Voilà. Alors, le jeu, il est... Comment dire, c'est très fin. Franchement, je m'attendais quand même à que ce soit un peu plus gros. Et non, en fait, c'est très, 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 très fin. Voilà. Donc, assez sympathique. Voilà, j'ai déjà ouvert le jeu, si j'ai pas pu attendre, en fait. Bon, c'est surtout pour ça. Vous n'avez pas à me voir déballer un produit. Mais vraiment super. Voilà. Donc si on ouvre, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose dedans en fait. Vous avez une petite notice forcément. Et puis une à l'intérieur d'une jaquette qui est très jolie, hein, franchement elle est classe. Et le jeu. Le jeu, le voici. Et c'est vraiment vraiment petit. Ça fait la taille d'une carte SD. Voilà. Pour vous donner une idée, prenez une carte SD, c'est quasiment le même format à peu près. Hein. Peut-être un petit peu plus fin. Plus long et plus fin, mais c'est à peu près le même type de format, donc c'est vraiment vraiment petit. Moi déjà qui avait fait le unboxing de la 3DS XL à l'époque, je trouvais que les cartouches 3DS étaient petites, mais alors finalement bah, on a fait encore plus petit. Voilà. Donc sympathique, bah, j'ai hâte d'y jouer, hein, de toute façon. Hop, on remet, voilà. C'est juste pour vous montrer un peu le jeu. Et voilà pour le contenu. Voilà, on va pas faire plus long, hein, de toute façon. Donc le temps de configurer tout ça, je vous ferai peut-être un petit retour au niveau des menus, hein, pour voir un peu comment, quelle gueule ça a à l'intérieur. Et puis après, il n'y a plus qu'à jouer, il n'y a plus qu'à tester. Voilà, c'était tout pour ce unboxing, merci de l'avoir vu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.